bien comprendre ce que représentait le Concile, parce que on a en France une vue un peu superficielle. On s'est focalisé surtout sur la réforme liturgique, le fait que la liturgie soit passée du latin au français, et puis il y a eu les débats après le Concile autour de la liberté religieuse, autour de Mgr Lefebvre, et donc là, je crois qu'on est resté un peu à l'extérieur de l'événement lui-même, et il me paraît intéressant aujourd'hui d'entrer dans cet événement, dans ce qu'il a représenté, dans les débats qui ont eu lieu, et dans les avancées qui ont été faites. Moi, je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, notre génération s'approprie complètement les textes du Concile et tout ce que ça engage pour l'avenir de l'Église. En regardant ces textes-là, et puis en écoutant les témoins, moi j'ai le sentiment que les pères du Concile, les 2500 évêques qui ont été invités à participer à ce travail, ont fait l'expérience que l'Église commençait. C'est-à-dire que pour la première fois, enfin nous sommes la première génération où l'Église est véritablement universelle, c'est-à-dire représentée dans toutes les nations, chez tous les peuples, dans toutes les cultures. Michel Conquet aime bien rappeler qu'il y a 21 conciles œcuméniques, ça correspond au nombre de siècles, donc un concile en moyenne tous les 100 ans, c'est une bonne mesure, et comme il le dit lui-même, il faut 3 générations pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. C'est le pape Pie XII qui, pour la première fois, fera rentrer les caméras de la télévision au Vatican. De bonne volonté, il se prête à l'exercice. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Église. Voici les jours que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous dans l'allégresse. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Avec la télévision, pour la première fois, l'élection d'un pape allait être filmée. Le monde entier pourrait recevoir des images de Rome. Nuntio Vobis, Gaudium Magnum, Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Angelum, Josephum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Meroncalli. Visipi nomen imposuit Ioannis vigesimi terzi. Tu es Pierre, 900 prise 1. La caméra a pu enregistrer de la bouche même du pape cette confidence extraordinaire sur son premier contact avec les projecteurs du cinéma. Voilà, par exemple, le soir où on m'a accompagné au balcon de Saint-Pierre, devant la foule, pour lui donner la première bénédiction. Tout le monde était en grand mouvement, moi je n'ai rien vu. Parce que ce réflecteur terrible, insolent, s'est trouvé face à moi. Là, c'est la vie. Rien après la mort du pape Pie XII ne laissait présager une grande réforme dans l'Église. L'élection du cardinal Roncalli comme successeur de Pierre n'avait aucun caractère novateur. On le disait pape de transition. En annonçant quelques mois après son élection l'ouverture d'un concile, Jean XXIII, pape aimé des Romains, créa une immense surprise. D'ordinaire, les conciles n'étaient-ils pas faits pour dénoncer une hérésie? Dès l'annonce, l'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican, écrivait que le concile ne serait pas celui de la peur, mais bien le concile de l'unité. Pour la première fois dans l'Église, on aura des images d'un concile. Télévision, journaux, radio, chacun y jouera de son influence. L'information a ses exigences, les pères du concile et le pape lui-même le comprendront vite. Je dirais que sans les médias, le concile n'aurait pas été ce qu'il était, parce que sans qu'il y ait de conditionnement, de pression, mais les évêques qui étaient au concile aussi lisaient la presse. Et alors, une presse, évidemment, qui était plus ou moins orientée parfois, devait tenir compte, des fois pour corriger au besoin, des fois pour encourager. Et il y a eu une sorte de jeu subtil entre les pères et les journalistes, chacun respectant l'autre,
chacun gardant sa liberté. S'il y a une définition à donner du christianisme, c'est « Dieu est venu dans l'histoire ». C'est en toute lettre au Concile. Comme je vous disais, au Concile, le mot « histoire » est venu 60 fois, alors que jusqu'à présent, jusqu'en 1962, jamais une seule fois le mot « histoire » n'était présenté. Un concile, c'est une convocation. Il s'agit de réunir les évêques du monde entier autour de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Avec eux, des théologiens appelés experts qui n'ont pas le droit de vote, ainsi que des prêtres ou religieux comme secrétaires. Mais aussi des invités qui peuvent être laïcs et des observateurs. En 1960, j'ai analysé les documents préparatoires du concile pour Bernard Iago, l'archevêque d'Abidjan. J'étais au secrétariat de l'épiscopat à ce moment-là. En juillet 1965, étant appelé à faire la fonction de secrétaire particulier de Mgr Pierre Veuillot, je me retrouvais à Rome. J'étais donc à Rome à l'époque. J'ai entendu, comme tout le monde, l'annonce d'un concile alors que le pape venait d'être élu, en fait. Il y avait quelques mois seulement de pontificat. Et d'un pontificat dont on disait, oh, ça va être bien terne, que c'est que ce vieil homme, etc. Car son élection, on était très étonnés, plus qu'étonnés. Quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit, tiens, ça bouge. Et puis alors, ce qui m'a surpris aussi, quelques semaines après l'annonce, j'étais reçu en audience personnelle par Jean XXIII, qui me recevait deux ou trois fois par an comme supérieur général. Des audiences très décontractées, on parlait de beaucoup de choses. Et à un moment donné, je lui ai dit, très Saint-Père, nous avons été très heureux d'entendre l'annonce d'un concile. Alors il m'a dit, à peu près textuellement, figurez-vous que je savais que je devais aller à Saint-Paul-hors-les-Murs pour cette date-là, et je me disais, qu'est-ce que tu vas dire à tous les gens qui seront là? Et je me suis dit, tu vas annoncer un concile. C'est incroyable. Il me dit ça, moi je ne l'invente pas. Évidemment, c'est une façon de parler. J'imagine qu'il avait longuement réfléchi dans d'autres circonstances. Mais la manière de présenter ça comme une petite nouvelle qui passait par la tête. Par contre, ça a été certainement un très grand moment. Et je crois qu'on le doit vraiment à l'audace de Jean XXIII. Et ayant pas mal vécu ailleurs et été en contact avec d'autres églises, se disait, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Sans doute était-ce une façon de s'exprimer dans l'intimité pour Jean XXIII, qui était un homme simple, résolument optimiste et ne manquant pas d'humour. Parmi ses prédécesseurs, Pie XI avait déjà pensé à un concile. Des commissions avaient travaillé, mais le projet n'avait pas abouti. Pie XII avait repris l'idée, mais peut-être ne s'en sentait-il pas la force. Il aura fallu attendre Jean XXIII pour qu'un nouveau concile s'ouvre. À quelqu'un qui lui demandait, il recevait dans son bureau quelqu'un qui lui disait « Mais pour vous, qu'est-ce que vous attendez du concile ?» Alors, on a vu le pape Jean XXIII aller à la fenêtre, ouvrir la fenêtre du bureau et dire « Ce que j'attends du concile, un peu d'air pur, un peu d'air frais. » Et alors, c'est l'air pur, l'air frais, c'est l'esprit. Car tout le concile a été animé, on ne le dira jamais assez, par l'Esprit de Dieu. Le père Congar, dominicain, fut l'un des plus importants théologiens officiels du concile. À la fin de sa vie, il sera fait cardinal. On le voit lors d'un entretien avec le journaliste Jean Bourdarias en 1964. Comment cette annonce du concile a-t-elle été reçue? Eh bien, on ne s'est certainement pas fait une idée précise de ce qu'a ça représentait. On a été très contents, on a vu l'occasion pour l'Église de parler, de se faire entendre, alors qu'elle était surtout vouée à écouter à l'époque, mais on n'avait aucune idée de ce qui est en fait arrivé, à savoir cette grande ouverture, cette possibilité de créer ensemble un climat nouveau, de prendre une conscience nouvelle, de ce qu'est l'Église et de la situation du monde. Ça a été véritablement une révélation, et je pense pour tout le monde. Jean XXIII lui-même a dit d'ailleurs, au moment où le concile s'ouvrait, « En fait, de concile, nous sommes tous des novices. » Et c'est vrai, il n'y en avait pas eu depuis 80 ans, au moins. Personne ne savait au juste comment ça tournerait. C'est une procédure qui est quand même étrange. Un pape décide. J'ai décidé que je convoquerai un concile. Mais la plupart de la jeune génération applaudissait, enfin...
était étonné, parce qu'on pensait que ce pape serait un pape de transition, conservateur, un peu tranquille, disons. Et voilà qu'il prenait le courage pour bousculer l'ensemble de la communauté ecclésiale. Et donc déjà à cette époque, nous pensions qu'il fallait sortir de nos sacristies, comme nous disons, pour aller au monde et offrir l'évangile. C'était tellement gros, si l'on peut dire, une affaire pareille, qu'on y a cru sans y croire trop, c'est-à-dire l'entourage du pape. Mais je crois que dans le monde entier, quand même, cette annonce a provoqué un sursaut, ce que voulait le pape Jean XXIII, un sursaut et aussi une grande espérance. 11 octobre 1962, l'un des plus grands événements du siècle, le Concile œcuménique Vatican II, le 21e Concile de l'Église catholique. En ce jeudi matin pluvieux, près de 2500 cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, venus de tous les horizons, de tous les pays, de tous les continents, sont réunis à Rome en une procession de 3 km de long qui s'avance vers la basilique Saint-Pierre, siège du Concile. Pour moi, le grand moment de ce Concile, ça a été l'ouverture même. Le 11 octobre, oui, 1962. J'étais là, j'étais expert. J'étais dans la foule et quand je voyais défiler, c'est bien le mot, défiler, les évêques, alors comme ils étaient habillés à l'époque, c'était encore la grande tenue, plus qu'aujourd'hui, puis avec leur mitre, ils étaient près de 2400 évêques à l'époque. Maintenant, il y en a presque le double, depuis. Et alors ces évêques défilaient, mais entre eux, ils ne se connaissaient pas, mais pas du tout. Il y a beaucoup de régions où les évêques du même pays ne se retrouvaient pratiquement pas, ou presque jamais. Le premier jour, se découvrir, j'allais dire, physiquement, et sans pouvoir beaucoup se parler déjà, mais ça a été quand même une découverte de ce que peut-être un mot qui est sorti beaucoup du Concile, la collégialité épiscopale, c'est-à-dire les évêques unis entre eux au service de l'Évangile pour annoncer cet évangile au monde entier. Jean XXIII s'était dit, il y a un moment peut-être où il faut qu'ensemble on réfléchisse à cette mise à jour de l'Église, c'est le sens du mot aggiornamento d'ailleurs. Giorno, c'est le jour, c'est la mise à jour d'un certain nombre de questions dans l'Église. Et puis d'autre part, il avait été très sensibilisé par ses nonciatures, etc., à la relation avec les chrétiens non catholiques. Et c'est pourquoi quand il a annoncé le concile, il lui a assigné deux buts, l'aggiornamento, et puis deuxièmement, la réconciliation des chrétiens. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de la fin. Oui, ça, on a beaucoup cité cette phrase de Jean XXIII, oui. Et il n'était pas optimiste au sens, j'allais dire, où on a fait une bonne gestion, mais optimiste par la foi, plus que par nature. Homme de confiance. Homme de confiance. Alors, c'est quelqu'un qui voyait toujours le beau côté des choses. Il savait ce qui ne marchait pas. Mais il mettait en valeur, en relief, donc tout le côté positif d'une société, là, de l'Église, ou c'est de chaque personne. Alors, et ces paroles du pape ont donné aussi confiance, par le fait même, c'est sûr, aux pères conciliaires qui ont pris confiance en eux-mêmes d'abord, disant, on nous fait confiance à nous-mêmes, nous sommes ensemble, et bien nous dirons ce que nous pensons en conscience pastorale devoir dire à un concile, et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu la plus grande liberté d'expression. Le soir même de l'ouverture du concile, les Romains rendent hommage au pape par un cortège au flambeau. Jean XXIII s'adresse à la foule. C'est ce qu'on appellera plus tard le discours sous la lune. Que nos sentiments soient toujours ceux-là même que nous exprimons en ce moment à la face du ciel et de la terre. Foi, espérance et charité. Amour de Dieu, amour des frères. De retour à la maison, vous y retrouverez vos petits-enfants. Faites-leur une caresse en disant « c'est la caresse du pape ». Vous trouverez peut-être quelques larmes à essuyer. Ayez pour celui qui souffre une parole de réconfort.
que les affligés sachent que le pape est avec ses fils, spécialement aux heures de tristesse et d'amertume. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Le Concile ne pouvait laisser indifférents les producteurs des émissions religieuses. Sans nier les problèmes, ils ne manquèrent pas de faire une émission commune attachée depuis toujours à la cause œcuménique. Ainsi, le pasteur Bugner, responsable de l'Église réformée de France, pouvait dire sa joie d'un tel événement. Quelles que soient les divergences qui nous séparent encore, quelles que soient les très grandes difficultés, les obstacles apparemment insurmontables qui sont sur notre chemin, qu'il me soit permis de dire combien nombreux sont les orthodoxes et les protestants qui bénissent Dieu d'avoir inspiré au pape Jean XXIII la convocation de ce concile du Vatican II et qui en attendent des effets plus grands encore que ceux qui viennent de se manifester au cours des dernières semaines. Répondant à l'invitation qui leur a été adressée par le pape Jean XXIII, 37 observateurs ou invités assistent à la cérémonie inaugurale du concile. Les observateurs ont été délégués par l'Église copte d'Égypte, l'Église orthodoxe syrienne, l'Église orthodoxe d'Éthiopie, l'Église arménienne, l'Église russe de l'extérieur, l'Église vieille catholique, la communion anglicane, la Fédération mondiale luthérienne, l'Alliance mondiale presbytérienne, le Conseil mondial méthodiste, le Conseil mondial des églises, etc. D'autres sont les hôtes du secrétariat pour l'unité. Leur présence donnera au Concile une orientation nettement œcuménique. Deux jours après l'ouverture du concile arrivent à Rome les délégués du patriarcat de Moscou, l'archiprêtre Borovoï et l'archimandrite Kotyarov. C'est un événement considérable auquel le discours paternel, courageux et pacifique de Jean XXIII le 11 octobre n'est sans doute pas étranger. Le cardinal Béat présente au pape les observateurs, puis Jean XXIII va s'adresser à eux. Votre chère présence ici étreint mon cœur de prêtre. Je vous confie le désir de mon cœur qui brûle de travailler et de souffrir pour qu'approche l'heure de l'unité. Le père Chenu, théologien, participa à l'élaboration du message conciliaire. On n'a jamais vu dans l'histoire un concile pareil où il y avait un tel travail. Hein? Déjà, le seul fait que sur 2300 évêques, il y en avait un tiers qui étaient des non-européens. Ça basculait la majorité. C'est eux qui faisaient la majorité où ils se portaient. Alors, oui, ça a fait un déséquilibre démographique. Hein. Même sans avoir la foi ni rien du tout, c'est un phénomène unique. Ouais. Enfin, pensez, 2500 types avec autant d'experts réunis du monde entier et délibérant sur des sujets et des schémas. Ils travaillaient jour et nuit, hein. Ça travaillait sans arrêt. Avec des dossiers, des compliments, etc. Hein. Alors, il y a des textes qui ne sont pas bien faits, d'autres... Vous savez, on travaillait comme on pouvait. Mais pensez ce qui est arrivé. Il y avait une commission préparatoire pendant 2 ans à travailler avant. Ils avaient préparé 16 projets. 15 ont été mis au panier tout de suite. Jamais gouvernement n'a subi un pareil échec de son parlement. Supposez que gouvernement envoie 16 projets de loi et que les députés en mettent sur 16, ils en mettent 15 au panier. Dès le début. Comment ? Dès le début. Dès le début. Alors les uns éliminés, les autres renvoyés en commission. Vous savez ce que c'est au Parlement, renvoyé en commission? Ça veut dire que ils sont passés à la moulinette. Oui. Chaque évêque avait dans son cartable ce document-ci, avec 7 documents que depuis Rome, à partir des commissions romaines qui avaient travaillé pendant 2 ans, on leur disait, vous aurez à discuter ça. Mais les évêques ne se sont pas laissés faire comme cela, avec des choses toutes faites déjà, presque, j'allais dire, cuites à l'avance. Le canal Liénard, je le vois encore, s'est levé. Les commissions étaient presque, j'allais dire, préfabriquées, et il a voulu dire, sur le concile, c'est notre affaire à nous, évêques réunis. Et il fallait beaucoup de courage et d'audace. Il y avait en ce temps-là une douzaine de cardinaux présidents autour de
du cardinal Tisserand, doyen du Sacré Collège et président du Concile. Chacun de ces présidents avait un micro dont il n'avait pas encore bien la maîtrise. Si bien que les micros étaient branchés sans que cela se répercute sur l'ensemble de l'Assemblée. Et j'ai écouté Tisserand disant à Liénard en français, mais j'ai quelque chose d'important à dire au Concile. Comment le dire? À qui demander la parole? À moi, je suis le président. Comment est-ce que je demande la parole? Il faut le faire en latin. Mais oui, dites, eto verbum. Et ça a été considéré comme une petite révolution, il faut le reconnaître. Mais ça a déclenché, c'est sûr, peut-être une surprise, mais surtout beaucoup de satisfaction. Parce que les évêques, malgré tout, chacun comme pasteur son propre diocèse, avec quand même conscience de ses responsabilités pour sa propre Église, et aussi être ensemble maintenant, donc de pouvoir travailler ensemble. Mais ça a été le début, ça. Tout cela a mûri peu à peu, vous savez. Je me rappelle par exemple les débuts du Concile, où les évêques ne se connaissaient pas, et où ils étaient très gênés pour élire les fameuses commissions du Concile. Ils n'avaient pas qui mettre, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont demandé un délai pour pouvoir se consulter, se connaître un peu. J'ai été chargé, dès les premiers jours du Concile, à prendre contact avec tous azimuts des évêques de d'autres pays pour leur demander à qui pensez-vous. Il y a eu une sorte de petite campagne. La première session, on a eu des évêques qui sont arrivés chacun avec les soucis, leurs soucis personnels, le souci de leurs églises, et qui se sont présentés au Concile comme évêques d'une église particulière, évêques d'un diocèse, et qui n'avaient pas conscience d'être ce qu'on a appelé après le collège épiscopal, chargé d'évangéliser le monde entier. Voici que la séance est achevée. Les pères du Concile et les observateurs sortent maintenant. Ils ont récité l'Angélus et par les portes de Saint-Pierre, enfin grandes ouvertes, ils se répandent en flots serrés sur l'immense place qu'encercle la colonnade du Bernin. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les rites, de tous les âges. Ils se dirigent rapidement vers les autocars qui, à travers Rome, les ramèneront à leur domicile. Couvents, séminaires, hôtels, etc. L'après-midi auront lieu des contacts ou des travaux de commission. Toutes les réunions conciliaires commencent par la messe, après quoi la Bible est solennellement portée sur un petit autel qui domine l'assemblée, comme pour bien montrer que les travaux conciliaires sont placés sous le signe de la parole de Dieu. La Bible est la source, l'inspiratrice et le point de convergence de tous les débats du Concile. Pendant les séances du Concile, même si le pape venait, le pape ne se mettait pas au siège de présidence. C'est Jésus qui présidait. Ça me paraît très fort pour montrer... Alors attention, non pas pour montrer l'importance de l'Évangile et de la Bible, mais comme symbole de Jésus président le Concile. C'est l'Évangile et la parole de Dieu qui, là symboliquement, et plus que symboliquement, réellement, guider vraiment les débats. Même si les débats avaient un côté humain qu'on ne peut pas éviter, je l'ai dit tout à l'heure. Ut anc sanctam synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere digneris. La langue de Vatican II a été le latin, on a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu comme exception? Une qui était bonne, le patriarche des Melkites, Maximus IV, a expliqué en latin qu'il ne parlerait pas latin pour bien montrer à tout le monde qu'il n'était pas membre de l'Église latine, mais successeur de Saint-Pierre dans l'Église d'Antioche.
Je me souviens très bien de le matin dans la aula conciliaire et dans Saint-Pierre, hein, lorsque un prélat, un évêque américain se mettait à parler, tout le monde rigolait, parce que personne ne comprenait. Hein. Il parlait d'ailleurs impeccablement le latin, c'est pas le latin qui était en cause, hein. Il savait l'écrire, il savait etc. Mais l'accent était tel. Et lorsque Mgr Le Cordier, qui était à l'époque auxiliaire de Paris, qui était un peu un titi parisien, qui avait sa gouaille, j'allais dire, dans son expression, dans sa voix, se mettait à parler aussi, tout le monde applaudissait, parce que c'était amusant. Mais le père Le Cordier ne maniait pas le latin d'une manière rapide et un peu de qualité. Mais ça fait rien. Ego Pericles, archiepiscopus titulos samosatensis. Ça veut dire qu'au fond, le latin était comme une barrière pour un grand débat. Les débats étaient préparés à l'avance. Chacun arrivait avec son papier. Hein, voilà. Et il lisait son papier. Qui a après publié René Hottet, l'imprimerie Vaticane a fait un travail monstre, impeccable. Je peux vous présenter un dossier, vous verriez. Chaque évêque recevait ça, n'est-ce pas? Et puis, à la ligne temps du texte, on nous dit, un évêque demande que ce texte soit transformé, que soit remplacé par une autre phrase. Et ils avaient ça sous les yeux le matin même. Et ils votaient pour le réintégrer après, ou le supprimer, ou l'écarter dans le texte qui était soumis, qui est le texte final, qui est celui-ci. Hein. Avant d'être... La grande publication des textes, c'est dans ce volume. Évidemment. C'est le volume du père Veuillot qu'on m'a donné à sa mort, parce que j'avais beaucoup travaillé avec lui. Donc, et où sont donnés officiellement... C'est vraiment le texte officiel en latin, bien sûr, où se donnaient officiellement tous les grands documents du concile. Pour savoir ce qu'a été ce concile, il faut quand même comparer, si l'on peut dire, avec ce que c'était avant. Et là, pour la liturgie, là, c'est flagrant, les différences. Les différences qui permettent de voir qu'on a, le concile nous a permis d'aller au plus profond de la vérité liturgique. Beaucoup d'entre nous, quand même, souhaitaient célébrer la messe. Il fallait donc célébrer la messe avant la réunion du concile. Alors on se répartissait un petit peu partout, dans les églises, dans les basiliques, dans les halls d'hôtels, pour célébrer 2500 messes particulières avant d'assister à la messe du concile. Fallait faire vite pour laisser la place à d'autres. Quand on réalise maintenant, c'était pas très beau. D'abord, pas très beau, et puis pas très vrai. Alors, le Vatican II a permis de remettre quelque chose qui existait au début de l'Église, ce qu'on appelle la concélébration, donc des liturgies communautaires où les prêtres donc célèbrent. Ça a été un petit événement, ce changement-là. Ça a été une très très bonne expérience pour les évêques, je dirais les évêques latins, d'assister une fois par semaine à une messe à laquelle ils ne comprenaient rien. Lorsque, par exemple, une célébration en rite éthiopien, on ne savait pas si c'était la consécration ou la lecture de l'Évangile. Bon, au bout d'un certain temps, certains orientaux, je pense aux maronites, donnaient des fascicules pour qu'on puisse se retrouver un peu dans la célébration de leur messe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en rite byzantin, il y avait systématiquement concélébration. En rite melkite, le patriarche veillait à ce que les lectures soient faites dans différentes langues. Ça faisait partie de la formation, vraiment de la formation des évêques. Monseigneur Génie, vous êtes auxiliaire de Cambrai. Vous avez fait partie de la commission préparatoire de la liturgie, sur la liturgie. Et vous êtes le seul évêque français à avoir été élu à la commission conciliaire sur la liturgie. En règle générale, je dirais que
dans nos travaux sur la liturgie, nous n'avons pas précisément cherché à avoir une liturgie adaptée à la pensée de nos frères. C'est dit séparé. Notre première pensée a été au contraire d'avoir une liturgie pour les catholiques qui soit la meilleure possible. Mais précisément parce que nous cherchons à avoir une liturgie plus vraie, plus simple et en même temps plus riche et en même temps enracinée dans la doctrine et la foi chrétienne dans ce qu'elle a d'essentiel, je pense que par le fait même, nous travaillons à l'écuménisme. Il est possible, et je crois que ce sera décidé, que l'évangile soit annoncé dans la langue maternelle, dans la langue vulgaire, comme on dit, la langue du peuple, qu'on ne sera pas obligé de doubler les lectures. Eh bien, par là, il y aura chez les catholiques une meilleure connaissance de la Bible, et par le fait même, l'écuménisme sera aidé. Il n'y a pas de doute que l'unité des chrétiens pourra se faire plus facilement. Il y a chez nous, comme chez nos frères protestants, une meilleure connaissance de la Bible. Mon père m'accuse de ne pas avoir fait de travail sérieux pendant le concile, en disant « je l'ai suivi, ça n'aboutit à rien ». Je lui dis « écoute papa, il y a une chose, patiente un peu, mais d'ici quelques années, on dira la messe en français ». Il n'y avait pas encore de décision prise, mais enfin, je voyais à peu près dans quel sens ça s'orientait. Et c'est là qu'il me dit, bah, écoute, j'attends ça depuis ma jeunesse. Parce que je n'ai pas fait d'études. La messe, c'est prier. Quand on prie, c'est parler à son père. Et on ne parle pas à ses parents dans une langue étrangère. Le concile a été de fait une vraie... Le mot révolution a été employé par le pape actuel aussi. Oui, oui. Une vraie révolution spirituelle, qui est la plus dure et la plus importante toujours. Oui. La question autour de la révélation définit la manière dont Dieu s'adresse aux hommes. Il s'adresse à eux dans l'Écriture, mais celle-ci est portée dans l'Église. Le rapport entre l'Écriture et la tradition était une des questions discutées entre catholiques et protestants. Le Concile Vatican II va éclairer l'un des points entre Écriture et tradition. Sur la place Saint-Pierre, à la sortie des séances de travail, les conversations entre les pères du Concile et les spécialistes étaient ce jour-là très animées. Ce jour-là, en effet, c'était mercredi dernier. Un événement très important venait de se passer, le rejet par la majorité des membres du Concile du schéma doctrinal sur ce que l'on appelle les deux sources de la révélation. Écoutons d'ailleurs Mgr Elchinger nous raconter cet événement tel qu'il l'a vécu. Je ne vous révèle pas de secret, je pense, en disant que les travaux au début de la semaine ont été très difficiles, car il y a diverses tendances qui se sont manifestées et qui rendent évidemment un dialogue écuménique assez difficile. Pour qu'il puisse y avoir dialogue, il faudrait un langage commun. Certainement. Et parmi les pères du Concile, il en est qui relèvent plutôt d'une théologie qu'on pourrait appeler statique, d'autres d'une théologie plutôt dynamique, et ceux-là emploient un langage beaucoup plus proche du langage de la Bible et des pères de l'Église. Et par là, ils ont un langage commun aux chrétiens non catholiques. On ne peut pas dire que les uns sont des conservateurs et les autres des non-conservateurs, car et les uns et les autres ont à conserver et veulent conserver le dépôt de la révélation. Mais dans la manière de conserver un patrimoine, il y a deux manières de procéder. Les uns, par exemple, préfèrent conserver le patrimoine en espèces. Et puis les autres préfèrent l'investir en actions. Cette comparaison, qui est peut-être pas très juste comme toutes les comparaisons, elle permet peut-être d'entrevoir pourquoi il y a différentes tendances parmi les pères conciliaires. Mais il y a eu surtout cette semaine un élément de dialogue écuménique que je crois extrêmement important. C'est l'intervention du Saint-Père qui est venu arbitrer entre les deux tendances et qui a décidé la réunion d'une nouvelle commission doctrinale pour refondre totalement le texte qui nous avait été présenté sur les sources de la révélation. Comment cette action du pape a-t-elle été accueillie par le Concile, puis-je vous le demander, sans être trop indiscret?
bien, il est évident que nous avons eu là, tous, les pères du Concile et les autres, nous avons eu l'expérience du rôle irremplaçable du pape comme facteur d'unité, comme arbitre. Et je dois vous dire que le climat dans la salle conciliaire et parmi les pères conciliaires a totalement changé. Il y a eu une détente générale parmi nous et la décision du Saint-Père nous a apporté beaucoup de joie. La question de la révélation avait déjà été posée à deux conciles précédents, au concile de Trente et au premier concile du Vatican. Il est bien certain que pour beaucoup, il fallait arriver à dire que la parole que Dieu nous dit, c'est Jésus en personne. Monseigneur Schlinger, il fait allusion d'une manière intéressante. Donc, le concile vote 1368 voix, rejette le projet du pape. 822 l'approuvent. Or, le règlement du concile précisait qu'un projet proposé par le pape ne pouvait être rejeté qu'aux deux tiers. Mmh. On avait donc une majorité le rejetant, mais on n'avait pas les deux tiers. Le soir même, et c'est à ça, je crois, fait allusion Monseigneur Schlinger. Sur l'unité ? Jean XXIII changeait le règlement du concile. De manière à ce que le texte proposé par lui soit rejeté sans ambiguïté. Beau geste quand même. Et c'est assez intéressant de voir que, oui, beau geste, mais on disait en s'amusant que ça vient sans doute du fait que ce que Jean-Baptiste Montini était, à la première session, le seul des évêques qui était hébergé dans les appartements du pape au Vatican. Si bien que le soir, en mangeant leurs spaghettis, ils ont dû se mettre d'accord pour... L'enjeu de cette révélation divine, c'est l'enjeu, c'est tout. Qu'est-ce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle, quand on sait que, qui est Dieu, si l'on peut dire, quand Dieu est Dieu, et alors quand il parle, l'enfant est là pour aussi écouter ce que dit le Père. Et alors la parole de Dieu est une parole qui doit illuminer, éclairer vraiment la pensée et la vie de chaque homme, de chaque enfant de Dieu. Alors, Dei Verbum a été quand même, c'est un petit texte, pas très long en tout cas, mais aussi qui est un bijou par la façon dont le Concile a parlé de la pensée comme une source qui rafraîchit, qui régénère, qui permet à l'homme de rester toujours neuf. Parce que la parole de Dieu est une parole qui est toujours créatrice, une parole qui ne permet jamais de s'arrêter. Quand s'ouvre un concile, on ne connaît pas sa durée. C'est ainsi que Vatican II aura quatre sessions. Pendant trois années consécutives, les évêques se rendront aux différentes sessions. Entre chacune d'elles, ils rentrent dans leur diocèse. Pendant ce temps, les commissions conciliaires travaillent. Habemus Papam. Reverentissimum et reverentissimum Dominum. Dominum Johannem Battistam. Amen.
Paul VI, c'est ça, n'est-ce pas ? L'affirmation, je suis Pierre, mais Pierre qui ouvre les bras. D'ailleurs, les photos de lui, c'est toujours ça, n'est-ce pas ? Tandis que Jean XXIII apparaissait plutôt avec ce beau visage romain, ses yeux pétillants de bonté, n'est-ce pas ? Paul VI apparaît avec un visage un peu tendu, mais les mains ouvertes, comme ça, n'est-ce pas ? Tendant les mains, voulant accueillir, voulant embrasser, en quelque sorte. Paul VI, quand même, a eu à prendre, j'allais dire, une machine qui aurait pu déraper, une machine qui aurait pu aller dans tous les sens. Alors, ça a été le gros travail de Paul VI, en respectant, encore une fois, la liberté de chaque évêque, quand même, d'avoir le souci de maintenir quand même le concile dans la ligne de la plus belle tradition de l'Église, donc, et en remontant aux sources même, qui est la parole de Dieu. Le concile a une certaine responsabilité, en sens qu'il a ouvert les portes et les fenêtres. Alors, des courants sont engouffrés, là où auparavant, il y avait murailles, et donc une certaine force, incontestablement. Mais est-ce encore possible ? Est-ce qu'on peut avoir une église forteresse dans un monde qui est mouvement ? C'est tout le problème. Le pape lui-même s'est voulu vraiment un serviteur, quelqu'un qui avait le souci d'être fidèle au message du Christ. Et tout le concile a essayé cela. Et à mesure que le concile se déploie, se prolonge, on voit dans le concile se présenter, je ne dis pas s'opposer, diverses familles d'esprits, diverses tendances. Mais ces tendances, m'a beaucoup frappé, cherchent un point d'accord qui est parfois assez difficile à déterminer. On savait quand même qu'autour de tel ou tel évêque ou tel expert, il peut y avoir oui, des groupes de pression. Je crois qu'il faut dire oui. Pas manifeste, si vous voulez. D'ailleurs, il n'avait pas la possibilité de s'exprimer beaucoup parce que, à l'intérieur des sessions, le droit de parole était très limité. Il fallait demander au moins la veille et chaque intervenant avait droit à 8 minutes, ce qui était normal étant donné le grand nombre de ceux qui voulaient intervenir. Chaque constitution porte le nom des deux premiers mots du texte. Ici, la constitution sur l'Église, appelée en latin Lumen Gentium. Semaine historique a plus d'un titre au Concile œcuménique Vatican II. Tout d'abord, par une série de votes acquis à une très large majorité, les pères du Concile ont admis le principe de la collégialité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire qu'ils ont déclaré que le collège des évêques unis au pape détenait le pouvoir plein et suprême sur l'Église. On peut donc dire que, d'une certaine manière, le caractère trop exclusivement monarchique de la papauté va disparaître pour laisser place à de nouvelles structures dans lesquelles le corps épiscopal partagera avec le pape les responsabilités suprêmes. Et voilà pourquoi ces décisions sont historiques. Ils ont découvert la collégialité en se rencontrant à la première session et en commençant à travailler ensemble, obligés de tenir compte des points de vue de tous et de parler ensemble, d'échanger ensemble. Lumen Gentium a bien montré, je reprends l'expression de collégialité, que les évêques, dans leur ensemble, forment vraiment et le corps qui est au service du peuple de Dieu, mais les évêques unis au pape, dans la mesure où c'est évident, ça a été dit très fortement d'ailleurs au concile. Et il faut le dire, les évêques, ils sont arrivés assez facilement, malgré tout, à changer complètement cette image de l'Église et dire que non, avant tout c'est le peuple de Dieu. Et alors la révolution copernicienne était dans les textes même. On a inversé le rôle, la place des chapitres. On parlait d'abord des évêques et puis après du peuple de Dieu. Alors là, on est arrivé à force de discussion, au contraire, à parler d'abord du peuple de Dieu, un chapitre sur le peuple, et puis après, de parler des évêques qui sont au service du peuple de Dieu. C'est très étonnant, l'histoire du diaconat au concile, parce que ça n'intéressait pas beaucoup les évêques. Non. Je crois que le concile ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'il a fait. Vous savez que le concile, devant la poussée d'un certain nombre d'évêques, au départ très peu nombreux, a inscrit en 10 lignes la possibilité du diaconat, en disant simplement une phrase, qui est d'ailleurs elliptique, énigmatique aussi peut-être,
le diacre n'est pas fait en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Vous direz qu'une phrase comme ça, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Donc ça veut dire qu'on a rétabli le diaconat, mais c'est souvent comme ça dans l'Église. Saint Vincent de Paul n'a pas fait autre chose, hein, bon, et pour, par rapport à la charité, au service des pauvres. On se lance sur un chemin, et après on fait la relecture de ce qu'on a lancé pour se rendre compte si c'est bien dans l'axe de fidélité à l'Évangile. Moi, je trouve ça très beau. Ce sont les médailles que nous recevions à la fin de chacune des sessions du Concile, médailles commémoratives de la session à laquelle nous avons participé. Celle que je préfère, c'est celle-ci, la médaille de la fin de la troisième session, c'est-à-dire qui commémore le vote de la Constitution sur l'Église. La Constitution sur l'Église commence par les mots « Jésus est la lumière des nations ». Et de fait, nous avons une sorte d'icône, un Jésus glorieux, et à l'arrière-plan, la silhouette de beaucoup d'églises particulières. On reconnaît Saint-Patrick de New York, Notre-Dame de Paris, Constantinople, le Kremlin, enfin... Donc on a vraiment Jésus. Le peuple entier, oui. Voilà. Toute l'Église. Jésus sur le monde. Résumant en nos personnes et en nos fonctions l'Église universelle, nous déclarons œcuménique ce concile. Pour la première fois dans l'histoire, l'Église romaine entend entreprendre cet énorme effort, cet énorme travail de réflexion, de prière et de rénovation que représente ce concile, en quelque sorte devant témoin. Ce qui m'a frappé et réjoui beaucoup, c'était que les pères des conciles tiennent très sérieusement notre présence comme étant un témoignage. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement touchés par cette expression carissimi, delectissimi observatores, mais nous sentons que notre présence signifie quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les pères de l'Église. Eh bien, d'abord, nous sommes frappés par l'accueil plein de tact qui nous est réservé au Concile grâce au secrétariat pour l'unité. Notre présence au Concile comme telle marque, je crois, un grand progrès au point de vue œcuménique. Pensez au sort qui a été réservé dans le passé aux non-catholiques par certains conciles. Eh bien, tous les matins, quand je nous vois occuper nos places, qui sont des places d'honneur en face des cardinaux, je me rends compte du changement radical qui s'est produit. Je mentionne la grande confiance qu'on nous témoigne. On nous a confié les documents secrets sur lesquels on discute actuellement et que nous étudions avec un esprit critique, évidemment, avant les séances. Aux séances même, nous sommes frappés par la grande liberté avec laquelle les pères du Concile expriment leur opinion. Et enfin, malgré tout ce qui continue, évidemment, à nous séparer, pas d'illusion, je vois un signe plein de promesses dans le fait que dans tous les débats, les membres du Concile sont préoccupés par le renouveau de l'Église catholique et qu'ils placent le problème œcuménique dans cette perspective. Le décret sur l'œcuménisme, qui aurait été impensable comme tel 20 ans avant le Concile, impensable, oui. Et c'est plus qu'un texte, j'allais dire, d'enseignement sur les relations entre chrétiens. Le décret œcuménisme est un acte, c'est un engagement de l'Église catholique. Au cœur de Rome, les frères de Thésée ont installé leur communauté. Vous allez les voir, ils sont quatre. Revêtus de l'aube blanche, ils se réunissent trois fois par jour pour prier l'office, dans leur petite chapelle provisoire silencieuse et paisible. Spiritualité de l'œcuménisme. Pour ta sainte Église universelle, ici et par le monde entier, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les évêques, les pasteurs et tous les ministres de l'Église, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'unité
l'unité des églises, la vocation des incroyants et la paix des peuples, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous avons retrouvé, sous les voûtes de Saint-Pierre, des évêques que nous connaissions, en particulier des évêques d'Amérique latine. Et puis, il faut le dire, le bar qui est là aussi, sous ses voûtes, et où l'on va de temps à autre se rafraîchir, se détendre, nous a permis de connaître pas mal d'évêques. Et alors nous nous sommes mis à les inviter chez nous. Et nous n'avons pas trop des deux repas par jour, du midi et du soir, pour recevoir 4, 5, même il est arrivé jusqu'à 8 évêques par repas dans notre petite fraternité à Rome. Et là, nous poursuivons un dialogue. Et il me semble que la dominante même de ce dialogue, c'est cette commune intention de tous ces évêques de faire passer le message de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes frappés par l'épiscopat d'Amérique du Sud qui s'est révélé aux observateurs et à tous ceux qui sont ici comme tellement dynamique, ouvert aux soucis apostoliques de notre temps et prêt à un dialogue œcuménique extrêmement profond. Ou alors la jeunesse de l'épiscopat africain, sa fraîcheur. Et dans ce dialogue qui se fait en marge du concile, mais très lié avec le concile, nous sommes frappés de voir combien s'affine en quelque sorte le dialogue entre frères séparés, comme on dit. En effet, on l'a dit au concile, un évêque l'a dit, nous avons cru peut-être pendant les siècles qui précèdent que la simple affirmation massive de la vérité pourrait nous convaincre les uns les autres, que nous avions à dire notre foi avec toute notre autorité et que cela éclairerait de soi-même. Or, il semble que maintenant au Concile mûrisse une nouvelle méthode. On ne peut plus affirmer simplement la vérité du Christ avec ses angles tranchants, mais il faut tenir compte de l'autre. Monseigneur Zoa, vous êtes archevêque de Yaoundé au Cameroun. Et vous êtes l'un des deux secrétaires de l'épiscopat africain. Vous êtes archevêque d'un pays où il y a à la fois des catholiques et des protestants, des missions catholiques et des missions protestantes. Oui. Est-ce que la coexistence de ces deux sortes de missions vous pose des problèmes? Oui, évidemment, c'est un problème complexe parce qu'il y a plusieurs périodes. La première période de missionnaires qui s'installaient, il y avait un peu de concurrence. Mais maintenant que l'Église devient de plus en plus autochtones dans ce cadre, ça s'estompe parce que nous n'avons pas une histoire derrière nous qui nous oppose les uns aux autres. L'opposition surtout sur le plan doctrinal, mais les relations sont très fraternelles. Moi, je sais que pour Yaoundé, nous pouvons aller enregistrer nos émissions religieuses dans le studio des protestants qui sont mieux équipés que nous, à Yaoundé même. C'est une preuve de collaboration, Collaboration qui se vérifie sur le plan biblique. Nous avons constitué une commission actuellement pour la traduction de la Bible, ensemble catholique et protestant. On collabore sur le plan des écoles, le plan de l'action sociale, et nos relations sont tout à fait dans la ligne de l'écuménisme. Quand solennellement le pape et tous les évêques s'engagent à travailler pour l'unité visible de l'Église, ça veut dire quelque chose. Ce sont pas des paroles seulement. Historique aussi, le fait que pour la première fois, cette semaine, des femmes ont été admises officiellement à siéger au Concile. Mademoiselle Monet fut l'une des femmes auditrices invitées au Concile. Elle est la fondatrice de l'Action catholique indépendante en France. Je pense que le pape a invité les femmes au Concile. L'invito del Papa al Concilio sottolinea il ruolo importantissimo che le donne occupano nell'attuale società. Oggi esse sono presenti nelle fabbriche, negli uffici, nelle professioni liberali e persino al governo. Penso di andare alle assemblee, insomma al concilio, ogni mattina. Ma dato che non capisco il latino, penso che soprattutto dovrò fare uno sforzo al di fuori delle riunioni conciliari per conoscere gli argomenti sui quali potrei esprimere poi la mia opinione. E dovrò anche rispondere agli inviti che vengono rivolti agli uditori laici dalle varie commissioni episcopali al Concilio, dove ci sarà consentito, spero, di esprimere il nostro punto di vista sui problemi che preoccupano i laici nel mondo di oggi. Le différentes préoccupations des laïcs dans le monde. Chi dit église ne dit pas simplement les clercs ou les gens en soutane ou en robe, mais
les chrétiens, ça, le peuple consacré tout entier, qui forme ce corps organique, bien sûr, uni à ses pasteurs. Et vous savez bien que ce n'est pas, pour moi, une nouveauté, mais au contraire, une conviction ancienne et extrêmement chère, que de donner la parole aux laïcs et de leur marquer leur place. Je dirais volontiers, d'ailleurs, qu'au point de vue de la mission, les laïcs peuvent apporter beaucoup de choses que les prêtres ne peuvent pas apporter au même degré. J'ai été très frappé tout à l'heure dans l'intervention de Mgr Zoa, lorsqu'il disait qu'au Cameroun, dans la mesure où l'Église est indigène, elle n'a pas ce passé, cette espèce de handicap du passé de nos querelles anciennes, mais ils partent en quelque sorte dans la fraîcheur de l'Évangile. D'un autre point de vue encore, l'Évangile doit être annoncé aujourd'hui à un monde extrêmement complexe. Or, les laïcs seuls sont complètement au contact de ce monde. Je dirais qu'ils en épousent les contours un peu comme un fleuve peut épouser les contours de son lit. Ils sont là partout, n'est-ce pas, où la vie du monde existe. Tandis que nous, nous sommes un petit peu, si vous voulez, dans nos chaires, nos hôtels, nos presbytères, nos couvents. Enfin, on n'est pas quand même isolés du monde. Mais nous n'avons pas cette espèce de contact direct que les laïcs ont plus nettement. 4 janvier 1964. Le pape Paul VI quitte le Vatican. Malgré l'heure matinale et le froid vif, une double haie de gens, qui se fait de plus en plus dense, borde les rues de Rome au passage du Saint-Père. À l'aéroport de Fiumicino, le chef de l'État et les représentants du gouvernement saluent Paul VI. Ils lui apportent les vœux de la nation italienne. Paul VI profitera des intercessions du Concile pour effectuer plusieurs voyages. Sans doute le patriarche Athénagoras désirait-il rencontrer le pape. L'esprit très œcuménique du Concile ne pouvait qu'encourager une telle entreprise voulue aussi par Paul VI. Jérusalem fut le symbole de cette rencontre historique. Paul VI et Athénagoras s'avancent ensemble en se serrant les mains avec affection. Le pape et le patriarche de Constantinople récitent le Pater Noster, l'un en latin et l'autre en grec, avec une intention spéciale pour l'unité des chrétiens. À propos de gestes papal, et Paul VI a offert à Athénagoras un calice. Un calice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reconnaissait que son vis-à-vis, ce beau, grand, qui était beaucoup plus grand que lui, même physiquement, patriarche Athénagoras, était vraiment... Dans la communion. Dans la communion, sa messe est une messe comme la nôtre. Et alors, offrir un calice à quelqu'un, c'est dire reconnaître, par conséquent, là aussi, l'épiscopat, le sacerdoce de celui-là. Une nouvelle page est en train de s'écrire dans l'histoire du christianisme. La réforme liturgique permettait la concélébration pour montrer l'unité du clergé. Ce n'est qu'à partir de la troisième session et en présence du pape qu'on a pu assister à la mise en place de cette nouvelle liturgie qui, il faut bien l'avouer, se cherchait encore. L'exercice était nouveau et au sein de l'Église représentait une vraie révolution. Par cette concélébration, l'Église veut dire que l'Eucharistie est la célébration de tous, baptisés et célébrants. Corpus Domini nostri Iesu Christus, custodio animam meam in vita eternum. Amen. Venerabiles fratres, ac dilecti fili. Vénérables frères et chers fils, sous le signe de la Sainte Croix,
en l'honneur de laquelle nous avons offert la messe en concélébration, s'ouvre aujourd'hui la troisième session du second concile œcuménique du Vatican. Ici, nous sommes l'Église. L'Église est présente ici. Ici, nous sommes l'Église comme membre du corps mystique du Christ. Accueillons dans la joie la sobre ivresse de l'Esprit. Oui, il faut qu'il en soit ainsi durant tout ce temps béni du Concile. Une Église qui est trop repliée sur elle-même, qu'on ne voit pas finalement, j'allais dire replier, retirer dans sa sacristie, si l'on peut prendre cette image-là, est une Église à quoi sert-elle finalement? Parce que finalement, ce concile, s'il fallait le définir, je prendrais par deux mots peut-être. C'est une Église qui est à la fois a été un sommet et une sommation. Un sommet, c'est-à-dire que Dieu a conduit l'Église conciliaire à un sommet, et de là-haut, de haut du sommet, Dieu a montré aux papes et aux évêques, en particulier, exactement l'horizon, la route à tracer. C'est de haut qu'on peut voir le mieux, ces choses-là. Donc, une Église qui est, pour moi, un sommet. Et cela, bien sûr, grâce à la parole de Dieu en particulier. Et puis, une sommation. Il y a un jeu de mots peut-être que j'emploie là, une sommation, en ce sens que pour ce concile, chacun des évêques, des pères, s'est senti comme interpellé, vous voyez, au plus profond de lui-même. L'Église doit se définir elle-même. Elle doit tirer de la conscience qu'elle a d'elle-même la doctrine que le Saint-Esprit lui dicte, selon la promesse du Seigneur. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mon intuition, c'était la décision du Concile Vatican II de dire l'évêque est responsable de son Église dans le territoire où il est envoyé. Et que l'Église, c'est d'abord le diocèse. L'Église, c'est d'abord l'Église locale, c'est-à-dire la communauté autour de l'évêque et du presbytérium, des prêtres, de l'ensemble du peuple de Dieu qui est rassemblé. Et toute l'Église est là. Et donc, l'Église universelle n'est pas une fédération de tous les diocèses. Mais dans tout diocèse, il y a tout de l'Église. C'était ça l'intuition profonde. Et donc, l'évêque a sa responsabilité première. Et il doit pouvoir animer son Église. Il doit pouvoir s'engager pour évangéliser ce peuple qui habite le département de Lyon où j'étais, par exemple. Et puis, de faire en sorte d'être vraiment... Alors, est-ce qu'on va dire le patron ? Moi, je préfère qu'on dise l'apôtre, car au fond, la bonne définition d'un évêque, c'est d'être apôtre. Que personne n'oublie que la convocation du concile actuel a été faite en toute liberté et spontanéité par notre vénéré prédécesseur Jean XXIII, et que nous-mêmes, sans aucun délai, l'avons confirmée de plein gré, en sachant parfaitement que cette assemblée souveraine aurait pour thème l'épiscopat. Quand le Concile dit que le collège épiscopal est l'autorité suprême de l'Église, il se contente de dire que Jésus est l'autorité suprême de l'Église et qu'il a deux façons de se manifester. Alors l'unité, la personne unique du pape, manifeste mieux que l'Église est une. Les 3000 évêques manifestent mieux que l'Église est catholique, c'est-à-dire diverses, variées et universelles. Mais c'est la même Église.
Les pouvoirs vraiment uniques et souverains donnés par le Christ à Pierre et transmis à ses successeurs ont été définis et proclamés par les pères du premier concile œcuménique du Vatican. Cette définition a pu donner l'impression de limiter l'autorité des évêques, successeurs des apôtres, de rendre désormais superflu et d'empêcher la convocation d'un nouveau concile œcuménique, bien que le droit canon reconnaisse à cette sorte d'assemblée une autorité suprême sur l'Église entière. Les pères du concile écriront que les évêques, chargés des églises particulières comme vicaires et légats du Christ, dirigent par leurs conseils et leurs encouragements, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, comme le serviteur. À Jérusalem, Paul VI avait inauguré le dialogue avec les non-chrétiens. Il l'enrichit ici de nouveaux interlocuteurs, des Parsis, des bouddhistes, des hindouistes surtout, représentés par Appa Patwardhan, un intime collaborateur de Gandhi. Un tel voyage s'inscrit dans la volonté du Concile d'instaurer une meilleure compréhension entre les différentes religions. Schéma 13 sur l'Église et le monde, texte sur la liberté religieuse. À l'intérieur de Saint-Pierre, les pères conciliaires vont donc mettre en forme ces idées forces de la quatrième session, à l'abri des regards et des objectifs des touristes. Les premières délibérations devaient être consacrées à la liberté religieuse, mais dès la première heure de travail, en présence de Paul VI, le synode des évêques prenait forme, une sorte de conseil des sages qui assistera le pape, première application du principe de collégialité. L'un des pères conciliaires, Mgr Rodin, nous dit que l'on ne pourra juger ce synode qu'à l'ouvrage. Mais déjà, c'est une réforme considérable dans le gouvernement de l'Église. Elle avait été timidement réclamée par quelques évêques au début du concile. Elle avait été souhaitée dans un discours du souverain pontife lui-même. Et puis finalement, elle a été mise au point par la commission spéciale du gouvernement des diocèses, en collaboration avec la Curie, et elle vient d'être promulguée. C'est une réforme qui touche tous les diocèses, qui seront tous intéressés directement au gouvernement de l'Église. Nous assistons donc, par conséquent, maintenant, comme hier pour la liturgie, aujourd'hui pour le gouvernement de l'Église, à une secousse sismique qui ébranle toute la chrétienté et qui aura des conséquences que tout le monde pourra percevoir. Gaudium et spes, ce sont les deux premiers mots de documents conciliaires, joie et espoir. Mais il y a aussi après des déceptions. On parle du côté positif, mais aussi il y a aussi notre aspect plus quand même négatif, si l'on peut dire, de l'époque du concile. Déjà, monde déjà vraiment angoissé. Et alors, ce texte, qui s'appelle d'abord le schéma 13, puis le schéma 17, parce que selon les catégories de documents qu'il y avait à ce moment-là, est devenu après donc Gaudium et spes. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à ce texte, c'est Wojtyła. Le pape Jean-Paul II donc, considère le Lumen Gentium comme le texte premier et Gaudium et spes comme, j'allais dire, le texte d'application l'Église dans le monde de ce temps. Alors, ce document-là, il faut le connaître bien aussi. Il traite des problèmes particuliers, je l'ai dit tout à l'heure, famille, économie, politique, droits de l'homme, guerre, mais il y a une première partie qui part de façon très approfondie sur la dignité de l'homme. J'aime bien, dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, le numéro 22 de la Constitution, la réflexion sur la personne humaine, qui dit d'une manière beaucoup plus claire qu'on ne l'avait jamais dit, que
la cause, la raison, le modèle de n'importe quelle personne humaine, c'est la personne humaine de Jésus. Il y avait jadis un peu l'idée d'une église au repos, installée dans les pays de chrétienté, et qui envoyait au loin un certain nombre de ses fils. L'église marchante, en quelque sorte, ces hommes barbus, ces hommes musclés, ces hommes hardis et dynamiques qu'étaient les missionnaires, mais qui étaient simplement comme une sorte d'appendice lointain de l'église au repos. Eh bien, ça, c'est fini. On sait maintenant qu'il y a une mission. Il n'y a pas une église au repos et des missions, il y a une mission coextensive à toute la vie de l'église qui, partout où elle est, a des païens à évangéliser. Quand ce seraient les chrétiens eux-mêmes, et même les plus croyants, comme vous et moi, je l'espère, qui savons très bien quelle zone de paganisme nous portons dans notre propre cœur et comment nous devons être évangélisés dans des dimensions d'humanité qui sont, pour nous, notre pensée, notre caractère, notre vie familiale, notre action extérieure, etc. Imaginez que le pape Paul VI est venu, est descendu dans la basilique Saint-Pierre, au milieu des évêques, qu'une seule fois, pendant les quatre sessions. Une seule fois. Il est venu participer à des messes, bien sûr, mais pour participer à un débat conseillère, il suivait toujours avec... Il avait une caméra dans son bureau, il écoutait tous les débats de son bureau. Mais il est descendu qu'une seule fois de tout le concile dans l'aula, comme on dit, dans la basilique Saint-Pierre, c'est pour l'inauguration du débat sur les missions. Et pourquoi ? À cause de l'importance particulièrement grave du sujet. Alors, donc, il faut lire ce décret qu'on donne voûte à l'autre, se disant que dans des pays lointains, dans des pays pauvres, et il y en a, ce serait peut-être ce texte-là, le seul document conciliaire qui pratiquement serait lu à l'extérieur de ces pays-là. Pensez qu'à Vatican I, en 1869-70, il n'y a pas un seul évêque noir, tandis qu'il y avait plus de 100 à Vatican II et qu'ils sont aujourd'hui plus de 150, avec 4 ou 5 cardinaux. Donc, il y a là une espèce d'expansion. Or, il est clair que les questions africaines ne peuvent pas être réglées complètement à Rome, ce n'est pas possible. On rapporte que les prêtres disaient, au moment du concile, tous les pouvoirs aux évêques, tous les plaisirs aux diacres et tout le boulot pour nous. Prêtre. Oui, j'étais prêtre à l'époque, hein. Faut pas oublier, j'étais pas évêque. Et donc, je crois que le grand texte sur l'Église disait ce qu'il fallait sur les prêtres. Mais il n'y avait pas une approche, j'allais dire, affective, amicale, proche, de compagnonnage avec l'ensemble du clergé. Et je crois que la grande carence du début du concile a été cela. Et puis certains évêques, notamment les Français, ont senti le besoin de faire un texte qu'on a appelé le décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, et de faire un texte qui soit vraiment plus engagé au service des prêtres, plus proche d'eux, en les reconnaissant et en les remerciant pour le travail qu'ils faisaient, en les soutenant dans l'engagement qu'ils prenaient, etc., etc. Si vous voulez, lorsque je prends ces documents, il y en a quatre qui sont fondamentaux. Les quatre constitutions sur l'Église, sur l'Écriture sainte et la parole de Dieu, Dei Verbum, sur la liturgie, et Gaudium et Spes, qui a un statut d'ailleurs assez étonnant parce qu'on l'appelle pastoral et non pas dogmatique. Et alors, on a les textes qui sont là. Et ça suffisait pour le Concile. Pourtant, on a senti le besoin de faire des décrets, pas simplement des grands textes constitutifs, mais des décrets. Et alors, il y a des décrets qui, à mon avis, n'étaient pas très utiles. Sur les moyens de communication sociale, on aurait mieux fait de le mettre au panier tout de suite. Bon, sur d'autres aussi. Et Mgr Garonne disait sur les prêtres, laissons chaque l'église locale, chaque diocèse, chaque conférence épiscopale travailler,
Car on ne peut pas résoudre, on ne peut pas simplement déterminer la fonction du prêtre en France de la même manière qu'on peut la déterminer en Amérique latine ou bien la déterminer en Asie. C'était hier, le pape s'adressait au père conciliaire de Vatican II, sous le dôme et au milieu de la magnificence du décor de Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, sous les plafonds discrets et nus de l'organisme international, il vient exprimer son message de paix aux représentants des 117 États membres des Nations Unies. Dans un univers qui demande que son angoisse se change en espérance et qu'on réponde clairement aux questions qu'il se pose au sujet de la paix, le pape, au cours de ce pèlerinage, vient apporter son message aux nations. Ce voyage qui a lieu durant une session du Concile est à considérer comme un acte conciliaire. C'était une façon pour l'Église de dire son universalité face à une institution, elle aussi, à dimension universelle. Spontanément, les pères conciliaires décideront d'accueillir dans les actes du Concile le discours de Paul VI devant l'ONU. C'est comme experts en humanité que nous apportons à cette organisation le suffrage de nos derniers prédécesseurs, celui de tout l'épiscopat catholique et le nôtre, convaincus comme nous sommes que cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Je me souviens très bien, en décembre 1965, Paul VI est allé à l'ONU, c'était pendant le Concile. Je suis resté toujours dans ma mémoire avec vraiment une sorte, beaucoup d'émotion lorsqu'il est revenu de l'ONU. Il s'est fait applaudir, bien sûr, par l'ensemble des pères conciliaires, par les 2000 évêques qui étaient là. C'est là où il avait dit « jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, je tiens à le dire ici à l'ONU ». Il avait été là-bas non pas pour dire « c'est moi le grand chef, vous allez m'obéir », pour faire une vaste chrétienté de l'ensemble de la planète. C'était fini, ça. L'Église devenait signe, sacrement, de la tendresse de Dieu et de l'unité du genre humain. Il revenait très humblement pour dire « il fallait que notre Église puisse dire que la paix, nous étions là, engagé à la servir. Et Jean-Paul II l'a fait constamment. À la première session du Concile, je n'y ai pas assisté. On n'avait pas invité tous les supérieurs religieux. À partir de la seconde, j'ai assisté. Et puis, on m'a demandé de faire partie de la commission de la vie religieuse et d'en être même le secrétaire, ce que j'ai continué même pendant les premiers mois qui ont suivi le Concile. Bon, alors ça, si vous voulez, pour moi, ça m'a mis très en face de tous les problèmes de la vie religieuse. À partir des questionnaires envoyés au père du Concile, nous avions rédigé des textes. Alors ce texte a été revu trois fois. La première fois, il était trop long. Finalement, on est arrivé à une solution moyenne, d'où est sorti le titre actuel. C'est vrai que pour rédiger ces textes, il fallait tenir compte des interventions qui avaient été faites, ce qu'on appelait en latin les modis, les modes, les façons de s'exprimer. Une fois, nous nous sommes trouvés, pour l'ensemble du texte, en face de 7000 modis, c'est-à-dire 7000 papiers. Ce n'était pas des grandes laïus, mais c'était des papiers suggérant de modifier telle phrase, d'ajouter ceci, de retirer ça. Nous avons passé quelquefois des heures de travail énormes, je me rappelle une fois presque la moitié de la nuit, pour mettre au point un texte à partir de toutes les demandes faites. L'évêque eux-mêmes, globalement, était très favorable à la vie religieuse, mais souhaitait quelquefois qu'elle évolue. C'était aussi beaucoup, et je lui rappelais, que le travail des religieux se fasse davantage en lien avec celui de toute l'Église et celui du diocèse dans lequel ils sont. Parce que l'écueil, qui n'est pas toujours évité d'ailleurs, c'est que les religieux fassent leur chapelle, si vous voulez, un peu en dehors de la cathédrale. Durant cette quatrième et dernière session, d'autres textes n'ayant pas le même statut canonique que les constitutions allaient être votés. On ne se doutait pas à l'époque de l'importance qu'ils allaient prendre. Des décrets tels que Nostra Aetate sur les rapports entre les différentes religions ou encore le décret sur l'œcuménisme allaient au fil des années tenir une grande place dans le débat Église et société. Par contre, il y a des déclarations telles celles sur la liberté religieuse
tel Nostra Aetate sur le dialogue avec les autres religions, tel l'œcuménisme, qui étaient alors des décrets qui engageaient l'avenir, concrètement. C'était des décrets qui, à mon avis, ouvraient tellement un chemin neuf qu'on a vu les conséquences. Assise sort du décret Nostra Aetate. C'est un fruit du concile. Bon, on a comme ça un certain nombre. En œcuménisme, c'est évident. L'accord entre les luthériens sur la rédemption, justification. La justification et la rédemption, les luthériens et les catholiques sortent de cette démarche, de cette dynamique. L'Ostra Aetate a permis à découvrir comment christianisme et judaïsme, ça veut dire, s'articulent. C'est ça qui a permis à Jean-Paul II de parler de nos frères aînés dans la foi. Oui. Ça, c'est un fruit du concile. Alors, un fruit du concile, certainement. Patres venerabiles, ec declaratio, que per partes lecta est, at pro integra lecta abenda est, placet nevobis, an non placet, respondeatis. Dans le texte sur la liberté religieuse, on va jusqu'à fonder la liberté religieuse sur les droits de la personne humaine et non pas sur les droits de la vraie religion. Bon, il va dire, hein, c'est beaucoup. La liberté religieuse, cette déclaration, oui, qui a été promulguée d'ailleurs tout à fait à la fin. C'est le document le plus court, on peut dire, de tout le concile. Il n'a que 15 petits numéros, le plus court. Mais aussi peut-être le plus lourd, pour moi, de conséquences pour l'Église. Parce que, voyez, pour arriver à ce texte, qui est un texte audacieux, il faut le dire, et de portée, là aussi, au mot que je n'ai pas trop employé, qui est de portée historique. Il a fallu que le concile se mette plusieurs fois l'ouvrage. Entre 63, la deuxième session, et 65, la quatrième session, il y a eu 6 rédactions successives de ce petit texte. La déclaration sur la liberté en matière religieuse, ce n'est pas une constitution, puisque ce n'est pas une question qui concerne la foi. Ce n'est pas un décret. Ça ne s'impose pas. C'est une simple déclaration pour clarifier, pour élaborer, pour proposer à l'ensemble de l'humanité un droit fondamental de l'homme. Alors, vous savez, de voir qu'un concile, alors c'est bien sûr de l'Évangile, dit que c'est l'homme qui compte avant tout, si on savait en tirer les conséquences dans tous les domaines. Paul VI, c'est dans deux domaines, le domaine de la contraception et le domaine du célibat des prêtres, a mis ce qu'on appelle la main dessus, c'est-à-dire il a dit ça, je me réserve. Pourquoi, je ne saurais pas dire, parce qu'il a peut-être, il a pensé que l'Assemblée conciliaire avait déjà beaucoup travaillé, 4 ans, il fallait absolument conclure, et qu'on n'avait pas le temps vraiment de travailler sérieusement ces deux questions. Et donc, pourtant, la question du célibat des prêtres avait été quand même posée au moment du concile. Oui, elle a été toujours posée. Hein. Bon, sans doute regrettable, parce qu'au fond, on aurait pu très bien ouvrir un bon débat, mais peut-être qu'il aurait fallu quand même un an de plus, qui se retrouve en 66, en octobre 66. Hein. Vous savez, il y a une usure, hein. 4 ans de suite, hein. Tous les évêques du monde entier, il fallait retourner dans les diocèses, il fallait travailler sur le terrain. Et donc là, je crois qu'il y avait une... Bon, la question est restée ouverte. Et la difficulté, c'est que le pape a traité avec beaucoup de sérieux. En confiance, il a pris les décisions qu'il pensait devoir prendre plutôt.
Et puis, il s'est heurté à une opinion publique qu'il n'accueillait pas. Pas simplement l'opinion publique générale, mais l'opinion publique chrétienne, catholique. Avant la messe de clôture, a lieu la levée de l'excommunication réciproque entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe de Constantinople. Cette levée des anathèmes ouvrait le chemin du rapprochement. Le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier n'ont pas perdu de vue le dessein qu'ils ont conçu dès lors, chacun pour sa part, de ne rien omettre désormais des gestes qu'inspire la charité parmi les obstacles qui se trouvent sur le chemin du développement de ces rapports fraternels de confiance et d'estime, figure le souvenir des décisions, actes et incidents pénibles qui ont abouti en 1054 à la sentence d'excommunication. C'est pourquoi le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier en son synode, certains d'exprimer le désir commun de justice et de sentiment unanime de charité de leurs fidèles, déclarent d'un commun accord regretter les paroles offensantes, les reproches sans fondement et les gestes condamnables qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné les tristes événements de cette époque. Regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les sentences d'excommunication qui les ont suivies et les vouer à l'oubli. La grande nouveauté du Concile, c'est que l'axe historique pénètre d'un bout à l'autre l'Église. L'Église est dans l'histoire. Et l'éternité, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est l'éternité. Je n'atteins l'éternité que dans le temps. Et c'est parce que je suis dans le temps que je peux tendre à l'éternité. Alors, ça veut dire que l'Église est tendue vers le futur, vers les derniers temps, parce que c'est un monde en marche, et un monde en marche va chercher quelque part. Et c'est là que nous nous différencions, par exemple, du marxisme, qui pense qu'il n'y a rien au bout. Ouais. Aussi un phénomène tout à fait étonnant dans ce mois de décembre, surtout dans lequel j'ai vécu décembre et novembre, et ça a été de distribuer des cadeaux. Les évêques, avant de partir, sentaient le besoin de se faire des cadeaux aux uns aux autres. Le pape lui-même le faisait. Et le pape, par exemple, offrait, je vais permettre de prendre ce livre. Voilà, par exemple, ce livre. Eh bien, on recevait 50 livres comme ça, et puis on les distribuait aux évêques avant qu'ils ne puissent repartir chez eux. Alors, évidemment, nous, on en avait un pour nous. À chaque fois, c'est Rome, ça. Il était bien préférable de nous donner un volume plutôt qu'on se mette dans la poche sans avoir demandé. Alors, on avait comme ça, celui-ci, par exemple, ce livre sur le concile. C'est des souvenirs, en fait ? Ça, c'est des souvenirs. Voilà. Et les évêques sont partis. Alors, surtout, à la fin, on leur a donné un anneau conciliaire. Mais pas nous. Vous n'étiez point évêque à l'époque. On nous a rassemblés au début, on nous a dit, vous savez, aujourd'hui, les anneaux, c'est coup par coup. Vous prenez un anneau, vous signez une décharge, vous allez voir l'évêque dans votre travée, il signe la décharge, vous revenez 50 fois comme ça. Mais pas vous, vous n'avez pas le droit aux anneaux. Pour la clôture du concile après la messe, célébrée par le pape place Saint-Pierre, différents messages ont été lus, s'adressant aux gouvernants, artistes, femmes, travailleurs, pauvres, malades, jeunes ou encore aux scientifiques. Je me souviens, Maritain, par exemple, ce philosophe français, représentait tous les philosophes et tous les intellectuels. Et je le vois avec sa grande chevelure blanche passer devant tout le monde et recevoir du pape le message pour les intellectuels. Et c'était grandiose.
Paul VI est très préoccupé de l'après-concile, heureusement. Il en a beaucoup souffert, d'ailleurs, de la période après-concile qu'on a aussi. On n'a pas su. C'est, un concile peut se vivre bien, mais c'est après le concile, la façon dont on... Il va être reçu. Il va être reçu. C'est un mot, d'ailleurs, très canonique, c'est la réception d'un concile. Et dans l'histoire, on a vu que ça a été raté souvent, parce qu'on est humain, on a nos faiblesses. Et alors, Paul VI a tout fait pour protéger et transmettre aux chrétiens, d'après le concile aussi, le trésor qui a été un trésor vivant et pas simplement un coffret du concile. Non, chez le pape. Et alors là, je garde un excellent souvenir de cette soirée passée avec le pape et de son équilibre, de son humilité. Pratiquement tous les textes étaient votés, il n'y avait plus que la conclusion solennelle à faire le lendemain. Et il nous dit, bon, voilà le concile terminé. On y a beaucoup travaillé, vous devez en être heureux, moi aussi. Surtout, ne lui donnez pas trop d'importance. Parce qu'en y ayant travaillé beaucoup, nous risquons de nous enorgueillir du concile. Vous comme moi. Alors, on parle, on discute, nous étions 300 à peu près comme experts. On dit, je cherche un cadeau à vous donner en souvenir. Je me suis dit, je vous donne un évangile. Car des conciles, il y en aura d'autres. Mais l'évangile, celui-là, ça tiendra jusqu'à la fin du monde. L'expérience spirituelle s'enracine dans le mystère de la Trinité, pour moi. J'ai découvert au concile, il ne suffit pas de parler de Dieu, 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 mais qu'il fallait prendre l'évangile, se laisser prendre par le Christ qui nous conduit dans la lumière de l'esprit à la connaissance de Dieu. Et ça, pour moi, je n'ai eu aucune vision mystique ou je ne sais quoi. Hein. Et pour moi, ça a été... C'est pour ça que l'évangile est pour moi ma source constante. Hein. Et que régulièrement, je reprends l'évangile, je reprends les textes de saint Paul, je relis... Ça, pour moi, c'est fondamental. Et quand plus tard, l'historien se demandera que faisait l'Église pendant le Concile de Vatican II, la réponse sera... C'est la réponse que donnait déjà Paul VI. La réponse sera l'Église aimait. Elle aimait le Christ. Elle aimait tous les hommes. Elle aimait le Christ. Elle aimait tous les hommes. Tout est là, dans ces petites phrases. Et alors, nous, le concile est passé et derrière nous, mais projetons-le encore devant nous, en essayant encore de vivre tout ce qui peut nous apporter aujourd'hui, et grâce au concile aussi, aimer Dieu davantage et aimer les hommes davantage. Ce n'est pas un sermon que je fais là en terminant, mais je crois que c'est l'enseignement même du concile Vatican. Vatican II, c'est déjà aussi derrière, hein, nous. Et il y a très peu de survivants, si l'on peut dire, d'évêques très très peu. Mais je crois que, cela étant dit, le Concile n'a pas pu répondre aux défis d'aujourd'hui, de l'an 2005
ou de ces dernières années. Parce qu'il n'est pas complètement mis en place ? Non, parce que mais le monde a changé. Le monde a évolué. On ne réalise pas, là aussi c'est une chose auquel on, peut-être on ne prend pas assez conscience, pas plus les chrétiens que les autres, que le monde a beaucoup changé c'est en 30-40 ans. Et quand le concile s'est donc développé de 62 à 65, les évêques ont su saisir à bras le corps, on peut dire, la plupart des grands problèmes vrais qui se posaient alors. Maintenant, les choses quand même ont changé. Ça ne veut pas dire que Vatican II est démodé, pas du tout. Moi, je crois que, et ça a été répété souvent, on n'a pas su suffisamment encore tirer tout le suc que portent ces textes conciliaires. Et je pense que ceux qui ont pris part au Concile ne peuvent absolument pas voir dans le Concile une rupture. Puisque pour nous, ça fait partie des événements que nous avons vécus dans notre vie, auxquels nous avons participé, sans aucun... Je n'ai pour ma part senti aucun bouleversement, aucun changement, aucune coupure. Et... Depuis 40 ans, c'est un petit peu ce que je répète et ce que j'enseigne. Pour moi, enfin. Mais attention, hein, je dis bien que c'est moi ayant vécu l'événement. Tout prêtre pouvait lire ça. Mais il ne suffit pas de lire. Ça ne suffit pas de lire. Il faut le vivre. Et vivre le concile, c'était aussi faire passer le souffle que les évêques avaient expérimenté comme une Pentecôte, hein, et de rencontrer les prêtres, de rencontrer les laïcs, de pouvoir faire passer le message et de prendre quelques décisions aussi significatives. Alors, a beaucoup marqué, bien sûr, le changement de la liturgie, mais ce n'est pas d'abord ça qui était derrière. Ce qui était derrière, c'est une intuition très profonde du concile. C'était de dire, dans un monde qui est en pleine mutation, qu'il se mondialise, la présence de Dieu sera-t-il encore quelque chose de fort pour l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on ne va pas mettre Dieu aux abonnés absents, comme on l'a fait dans les mondes sécularisés comme le nôtre, hein? Et là, la pointe était de dire « l'Église n'a pas de finalité en elle-même, c'est le Christ, Lumen Gentium, la lumière des mondes, c'est le Christ, ce n'est pas l'Église. L'Église est servante de cette lumière. » Et donc, c'était ça l'intuition de fond au Concile. Faire passer le message, ça n'a pas été aussi simple que l'on pensait. Le général de Gaulle, qui avait rencontré le cardinal François Marty en septembre 68, le père Marty est arrivé en avril. On a vécu les événements de mai, que vous savez. Évidemment, il n'avait pas eu le temps d'aller voir le président de la République. Mais c'est la coutume protocolaire. Hein, le nouvel archevêque va rendre visite au président de la République. Il est allé en septembre. Et en septembre, de Gaulle lui a dit... Je n'ai rien compris à mai 68. Hein. Je n'ai rien compris. C'était la chienlit, comme il disait. Hein. Mais d'ailleurs, l'Église, dit-il en regardant l'archevêque, aura aussi, hein, cette déflagration, ce barrage de Fréjus qui se casse, qui se brise. Bon. Et le cardinal, le futur cardinal Marty, lui dit, « Monsieur le Président, oui, mais nous avons fait un concile. » Et de Gaulle a regardé l'archevêque en lui disant « Monsieur l'archevêque, vous avez raison. C'est sans doute l'événement le plus important du siècle. Car on ne change pas la prière d'un milliard d'hommes, on ne change pas la manière de vivre dans une communauté religieuse d'un milliard d'hommes sans que ça touche quelque chose sur la vie de la planète tout entière. »